de Diotache, mille démons contre Zabolo, mille démons de Kabeya Kamwanga contre Zabolo de Kananga. C'est un bon catcheur. Il a aussi eu à livrer plusieurs combats à Kinshasa. À la gauche de l'arbitre, nous avons le catcheur. Catch Club Iran-Irak, Zabolo de Kananga. C'est aussi un Rastaman. À la droite de l'arbitre, nous avons le catcheur Rilkemon. Là c'est Zabolo qui se fait voir en gros plan. Aussi Mildemont. Donc Kachala Bonzola en Boujimaï. Le coup d'envoi vient d'être donné. Là c'est la musique de Mille Démons. Mille Démons exhibe la danse. L'action reste réciproque jusqu'alors.
très saisi. Parfois, ils ont des moyens, ils n'ont pas de mesure pour sortir les rimes. Pas mal de retrouver. C'est super. Et de la part de tous nos supporters, ça va rester tout seul parce que jusqu'alors, c'est le quatrième combat. Regardez-moi ça. Zabolo. Oui, on dirait que c'est le troisième Zabolo qui se retrouve pas. Surtout, il est piqué parfois au niveau des kisses. Mais il n'a pas moyen de se retrouver. Il n'a pas moyen de se retrouver si on veut ça. Si on veut dire. Il vient de laisser cette ici. On dirait que Zabolo est devant un morceau dur. Hein. Ah, surtout, vous avez raison. Saisi. Il est piétiné. Vous devez d'abord vous rassasier avant d'entrer dans le ring. Ici, c'est la frappe. C'est la frappe comme vous le dites. C'est la frappe. Nous constatons des coups. Regardez-moi ça. Il est piétiné. C'est ça de poitrine. Mille démons qui doivent montrer sa supériorité dans cette rencontre. Merci Gala, des gars, c'est super. Surtout pour tous qui nous suivent à Parc des Hauts, c'est excellentissime, c'est alléchant. Amis sportifs, vous nous regardez partout. C'est le quatrième combat. C'est le quatrième combat, j'ose quoi? Oui, c'est le quatrième combat, si on a de précision, mais c'est mille démons qui est dehors. C'est il en a eu pour son compte. Hein. Il en a eu pour son compte. C'est le quatrième combat. Oui, c'est le quatrième combat, exactement. Le premier combat a occasionné la piste contre Tianza. Ah oui, Tianza Pumoué, là. Tianza contre Sirène. Le troisième combat, on a Poison. Poison contre Tifon. Tifon qui vient de prendre la victoire. Tifon qui vient de prendre la victoire. Après, contre, c'est le quatrième combat contre Sirène. Avec l'arbitre coréen, c'est super, c'est magnifique. Pour tous qui nous suivent à Parc des Hauts, c'est excellentissime. Le quatrième combat, Zabolo qui se retrouve encore avec la danse. Mais qu'est-ce qui se passe là? Dans le public. Ça c'est Zabolo qui exprime la danse. Et bien, regardez pas l'effet que les gens qui ont bloqué, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Ils sont à deux. Ils sont à deux. Il fait du stick.
Zolo. Isaac. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont à deux. Amis sportifs, vous êtes ici au stade Béchara. Bonjour là. Il est venu faire ses cours, après il se retrouve aussi dans les rues. C'est aussi un catcheur, Sirène. Sirène aussi est appelé à jouer. C'est presque tout le stade. Il est venu faire ses cours, il est venu porter ses cours. Maintenant il lui vient en aide. Après il commence aussi à jouer à la balle. C'est alléchantissime, c'est superbe, c'est magnifique de la part des supporters. Il est venu juste pour lui sauver, mais après il se retrouve dans des débrouilles parfois. Il doit jouer aussi au foot. C'est exceptionnel, c'est magnifique de la part des présentateurs. La magie est vraiment. Là je vois, qui encore dans les mois. C'est qui? C'est Chanza Koumoué là. Chanza Koumoué là qui doit jouer aussi à la balle. Chanza Koumoué là, ils sont là. Il est finalement par terre. Amis sportifs, regardez-moi ça. On dirait corner. Tigre Kabedi. C'est Tigre Kabedi qui intervient. C'est Tigre Kabedi qui calme. On dirait la magie congolaise. Comment est-ce qu'on peut être traumatisé de la sorte juste après? Il doit faire cette perte. Mille démons, félicitations. Off, mon Fouji n'a un combat. Bien, c'est comme Shintukai, pas pour la dégage. Merci beaucoup. Bon, je suis venu à la maison.